Ok, Dominique, je suis en arrière gauche. Bon, bah on y va, on va pas trop traîner parce que. On va pas traîner, parce qu'il va faire une merde de merde là, alors. Allez, c'est parti, on s'en fait. Deuxième tentative. Va s'amuser, je te le dis. Donc pour la première partie de la vallée, il faut pas aller au-delà de 3000. Hein. Bon, si on suit la trace du GPS, il n'y a pas de problème. Hein. On aura la bonne. Mais... Donc nous en vacances on était quelque part en dessous, pas tout à fait en dessous. À droite c'est le mont de G. J'ai jamais volé là-dedans. Ouais, et ben je grimpe, hein, je grimpe. Et normalement là, normalement il faudrait monter au moins à 6-7 000 là, carrément. Ouais, bon ben je pars vers les 6-7 000 alors. Alors il y a au moins un truc de vrai, tu vois, par rapport à la météo, c'est que la montagne qu'on a en face de nous, elle était souvent dans les nuages. Je viens dans le simulateur et elle est dans les nuages. Ça me dégoûte. Bah, j'aurais pu le mettre sans météo, mais tu m'as dit non. Ah non, non, mais il va, voilà. Fallait quelques nuages, c'était plus sympa. Oh, qu'est-ce qu'il me fait là? Ouais, tu redescends, Olivier. Bah oui. On rentre dans le nuage, Dominique ? À fond. C'est strictement interdit ! Attention ! Olivier, remonte, ce serait intéressant. Bah oui, je fais que ça. Je suis à 5000, enfin 4800. Ouais, normalement, à part en dessous de 8000, ça passera pas, je suis sûr. Ah, je pensais que les nuages, ils auraient été plus hauts que ça, moi. Voilà, les nuages, c'est pas réaliste, hein. Ah ouais? Bah si c'est bon, là on est passé à travers un nuage, c'est bon, ça dégage. Bah heureusement, parce que sinon je suis en train de me dire, je commence à être dans la mélasse et ça va pas être bon du tout. Restez bien au centre de la vallée, parce qu'à 5000 pieds, je passe pas loin du relief. Ah bah, on suit ton plan de vol. Hein. Ah ouais, non mais c'est bon, c'est dégagé après. Les nuages sont sur les... Ouf. Ouais, je monte sur 6000 pieds. Je suis à 5004. Non, mais c'est bon, ça va bien se passer après. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit à peu près jusqu'à là. On a dit qu'il fallait. Qui c'est qui est à droite là? Olivier, putain, tu vas dans la montagne là, non? Non, non. Ah bon? Oh, y a un vent qui me déporte à gauche là. Pas bon l'affaire. Là, à mon avis, j'ai dû avoir des rabattants parce que. Ah ben ouais, ouais. Je descendais alors que je voulais monter. C'est pas bon. Ah non, mets-toi bien au centre de la vallée. Non, ils disent que pour le vol montagne, il faut justement voler près du bord. Ah oui. Ah non, pour se donner la possibilité de faire un demi-tour s'il y a besoin. Oui, j'avais vu ça, ouais. Faire comme ça. Donc je vois à peu près où on est. Quelque part en dessous, il y a un lac. Ouais, c'est ça, voilà, il est là. Sur la droite, il y a un barrage.
Ah ouais, ça ressemble, hein? Enfin, ça ressemble. On va dire grosso modo les reliefs dans les grandes. Dans les grandes. En ligne. Grandes lignes, merci. Quelque part à droite, tiens. Je suis à 6005 et c'est bon, c'est largement bon, 6005. 6500 pieds? Ouais, ouais. Mais il faut grimper parce que le col il est quand même à 2003. Hein. Ok, alors 6500 pieds. En fait, je vole de travers dans la vallée, tu sais. J'ai l'impression que je suis dans la montagne, mais non, en fait, je glisse. C'est assez spécial comme, comme navigation. Hein. J'ose même pas sortir dehors, là. Donc, on est à... Je suis à 7000, on est au-dessus des nuages. D'accord. Ok, je vois la vallée. Par contre, là, j'ai plus de son du tout quand je suis à l'extérieur. Hein. Bon, bah écoute, 7300. Toujours en crabe. Ah bah, merde, j'ai la texture toute pourrie. Ouais, je vois ça, ouais. Moi aussi, elles sont moyennes, les textures, là. Bon, moi, c'est nickel. Ouais, bah, peut-être faut encore monter. Il faut monter largement. 7500. Ok. Ouais, 8000 ça sera bon, je pense, pour passer à le col. Parce que là, je vois le truc qui se dégage, je pense que c'est le col. Olivier, t'es bas. Hein. T'as les anti-crash. Ouais, ah, ça y est, les textures s'améliorent. Ah, ben je préfère ça. Oh, Olivier, t'es sous la montagne. T'as craché dans la montagne, moi aussi d'ailleurs. Sérieux? Bon, alors par contre, là maintenant, j'ai un problème, c'est qu'il va falloir que je tourne. Et je suis pas assez haut. J'ai cassé mon avion. C'est vrai? Bon. Et moi, ça va pas tarder. Putain, je vous rabattre ton bras, là. Ah bah, c'est cassé. Il est cassé l'avion. Bon. Je suis encore en vie, mais je sais pas pour combien de temps. On aurait dû partir plus haut dès le départ. Hein. Ah, moi, c'est bon, je passe, hein, mais le problème, c'est que pour virer, il y a plein de courant d'air là. Et il m'empêche de faire ce que je veux. En fait, il me pousse. J'essaie de rejoindre la session. Moi. Pourquoi les anti-crash n'étaient pas désactivés? Ah non, mais j'ai cassé l'hélice. Moi aussi, j'ai plus de moteur, j'ai plus rien. Donc je reviens. Bon, moi je crâne pas trop parce que je suis dans une situation où je vole encore, mais je fais pas exactement tout à fait ce que je veux. J'ai trouvé une vallée pour faire un virage. Voilà. Elle est très très large. Alors. Donc je vais reprendre de la vitesse, je suis à 9000. On va essayer de réparer l'avion sur place. Oui, ça a marché. Mais non, c'est... Pour décoller maintenant, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de décoller maintenant. Comment ça se passe? Alors, il y a une vallée là. Putain, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, on dirait que j'ai réussi à monter assez haut pour faire le grand grand virage, on dirait seulement. Putain, la montagne. Aïe 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 aïe. Franchement, je sais pas comment on va faire pour décoller. Ah si, bah je vais rejoindre la session. Bon, moi j'arrive encore à virer, là c'est bien. Et je peux dire qu'elle est large la vallée, hein, heureusement. Là je fais pas le cacou, je peux te dire. Je fais pas le con, je sors pas de l'avion. Et là je vais pouvoir. Si ça y est, c'est bon, j'ai fait mon virage les gars. Bon, j'espère que je vais arriver en vol. Que je puisse récupérer un peu tout ça.
Putain, il se permet même d'aller à 110 nœuds là. C'est bien ça. Je suis à 9004 et je passe large. Voilà, c'est bon. Je reviens dans la vallée si tout se passe bien. C'est bon. Ah non, c'est pas bon. Il décroche. Pourquoi il décroche? Ah non, je vais encore casser l'avion. C'est pas possible, il a décroché. Par contre, il y a plein de nuages qui sont arrivés depuis tout à l'heure, j'ai l'impression. Allez. J'entame la manœuvre de retour. Ouais, bah... Nous aussi. À 8000 pieds, mais je m'en fuis. Là, si je m'en fuis. Bon voilà, je suis passé dans l'autre côté de la vallée. Donc le truc pour faire le virage, vu les courants d'air qu'il y a, c'est de continuer tout droit. Alors je sais pas si on appelle ça en dérapant. Enfin après, il faut serrer sur la droite pour faire une grande boucle en virant à gauche vers l'ouest. Sud-est, non vers l'est, pardon. Et ensuite revenir. Quand on est à 9000 pieds, c'est bon, ça passe. Il faut virer large. Hein. Ah ouais, 9000. Ouais. Ah ouais. Là, il fallait monter... Ah, c'est ce qu'on avait dit à un moment donné là, faut commencer à grimper effectivement. Parce que là, je vais dire... Bon, allez, je me concentre un peu pour l'atterrissage. Dominique, la vitesse de poser, de toucher les roues, elle est de combien avec le Cessna? L'arrondi doit se faire à 60, je crois.
Ouais, pas plus, parce qu'après tu rebondis. Je confirme, j'ai rebondi. Bon, bah la verticale des installations. 2400 pieds. Pareil, je descends à 2005 avant de commencer à pouvoir avancer une intégration. Posant 0,2, je coupe l'axe bientôt. Le traquier, on voit tout, tu sais. Allez, je coupe l'axe de la main pour me foutre en arrière. Allez. Passe en manuel. Je vais me mettre à proximité des peignes, Dominique. Ok. Bon, moi, je vais toujours à ponter un aéroport, parce que pour moi, c'est une piste, un bateau, tu vois. Tu arrives sur la 20 ou en face? Non, la 20, c'est là où moi je fais, là, je coupe la 20. Donc tu vas arriver par le sud? Ouais. Là, je commence ma branche front arrière. Hop là, ça y est. Ok, tout est sorti. On réduit le moteur à la demande. Faut vraiment que tu touches au niveau des peignes, hein, Dominique, hein, parce qu'après, sinon. Ah, en plus, faut faire un atterrissage de précision. Ah, ouais. Le mec! Ah, bah, je t'ai dit, hein, j'allais pas loin des peignes. Hein. La vitesse est bonne, le plan est bon, on n'est pas aligné. On est aligné, la vitesse est bonne. On suit notre point d'aboutissement, moteur à la demande. Alors c'était bien le moteur à la demande, hein. Oui, oh, bah, voilà quoi. Tu tapes sur les peignes, hein, Dominique, on est d'accord, hein. Ah, sur les peignes, demain. Ah ouais, bah si, sur les peignes. Je retarde, je refuse le sol, je refuse le sol, ouais, je vois ça. Je refuse. T'as l'enculé, la poste. Oula. Ah, j'ai rattrapé le domaine. Il a tangué un peu, non? Bah oui, j'ai refusé à un moment donné. Ah, je pose. Non, tu vois, je m'étais bien positionné pour les peignes là, le contact peigne c'était bon. Bah moi j'ai toujours tendance à me prendre le positionnement toujours avant les peignes. Ah oui. Il est passé au Dominique. Ah t'es là-bas. Je suis en train de rejoindre les peignes de au QFO opposé. C'est parti. Oh, à gauche, Olivier. Ouais, je vois. C'est de rattraper, mais j'ai l'impression que c'est. Je dérive. Bon, vite et trop à gauche. Bon, vite était sur le plan. Bon, à droite était toujours sur le plan. Provit est bien centré sur le plan. Pour à gauche, la vitesse est bonne, était sur le plan. Mais c'est des vols commentés, donc en fait, les élèves. Voilà. Bon, c'est pas top, mais je crois que j'avais un vent de travers. Bon ben je vais me reposer les gars. Ah je me pose. Je prétends que je vais arriver à me poser. Salut Dominique. Salut. Alors, regarde, il court devant moi cet animal là. J'ai cru que t'allais passer. Oh putain le robot.
Oh là 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 là. Bon, c'est dommage qu'on ait pas la même topo, quoi, c'est ça. Ouais, du coup, ouais. Bon, pas tout pareil. Tout, ouais, il veut pas. Ouais, je m'arrête. Hein. Merci à ceux qui nous ont suivis pour ce vol, même si le début fut un peu chaotique, je dirais même le milieu. Oh là, il y en a un qui vient de tomber derrière moi. Regarde sur la vidéo, tu vas le voir. Ouais, je vais le voir, oui. J'ai vu sortir là. Et... il a plongé et puis il est remonté. C'est bizarre que tu me vois pas, toi. Ah oui, putain, ouais, effectivement, il a plongé. Grosso modo, c'était un bon vol. Voilà, on a cassé deux avions. Oh oui, ouais, bien, plus fort que moi. Donc je pense que là, on peut faire mieux. Tout à fait. La prochaine fois, le but c'est de planter tous les avions qui sont présents. Non, la prochaine fois, il faudra voler sans nuage, ça serait mieux. Bah, tu m'as dit un petit peu de nuage. Ouais, 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 non, bah. J'ai saupoudré, toi. Tout à fait. Mais finalement, je t'ai dit, j'ai eu de la chance parce que je suis rentré dans le nuage, après j'en suis sorti aussitôt. Et derrière, la vallée était dégagée. Bah, heureusement, hein. Sinon, j'aurais été au tapis aussi. Bon, allez, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée. À une prochaine fois. Ciao, ciao. Salut.